J'ai même pas mis les pieds dedans. Ok. Plus qu'un ennemi. Rentable. Mon dos, fais mal au dos. Oh, on n'a pas pris énormément de dommages. Aïe 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 aïe. Ah bah les ennemis sont trop abasourdis pour bouger. Salut. On les impressionne trop. Une bouse de vache, génial. Je me sens gagnant dans l'histoire. Alors... Où est-ce qu'on est? À gauche, je remonte. Et à droite... des trucs. Merde. C'est ça que je voulais faire. Je vais pas dans la bonne direction. Moi je veux aller par là. Je veux fuir? Ouais. La fuite ça marche bien ici, putain. Ah, de l'autre côté, c'était une salle vide. Alors allons voir cette salle vide. Hop là. Fuir. Trop facile ce jeu. Ah, une tombe. Il y a un combat évidemment. Bang. Bébé. Bam. Putain, j'arrive pas à leur faire peur en fait. Heureusement que les flammes roll font rien parce que ça. Quelle heure on s'en est? Bam! La violence. C'est gagné. On va faire... Non, on va pas faire soigner tous parce que sinon ils vont soigner
Jessica alors qu'elle est pas en mauvais état en soi. Un petit peu, mais ça va quoi. On a perdu un peu de vie, mais 5 points de vie c'est quoi. Ce labyrinthe a été créé dans l'unique but de protéger les larmes de Vénus. Seuls ceux qui détiennent la sagesse et la force atteindront le véritable. Oh, okay. Tout ça pour ça, ok. Ok. Ouais, génial. Ouf. C'est pas hyper passionnant, hein, je vous avouerai. Donc là, c'est là d'où je viens. Avec le lac de bouse, etc. Les sacs rapportent max thune. Ah! Tu m'intéresses, Billy? La prochaine fois que je vois des comment ça s'appelle des sacs, j'irai voir. Ou alors ici. Ah, en plus il n'y a pas beaucoup d'ennemis, donc ça c'est cool. En plus il fait rien, bon c'est parfait ça. Même pas mal. Oh le critique. Oh je commence un peu à me les geler. Donc je vais bientôt aller chercher mon plaid. Mène combien? Ah j'avoue pour 2 ennemis sur 19 c'est pas mal. Ah, attendez, il y a différentes routes. Aïe, ça fait mal. Oh oh. Aïe. Faut vite le tuer. Voilà. Parce qu'Angelo n'a plus beaucoup de vie, il a plus de défense. C'est la base. S'il m'en veut, pourquoi pas. Non. Oh ça va. Là je m'attendais à pire. Jessica level up. Elle a plus de chances de faire des coups critiques, ça c'est cool. Alors toi comme t'es dans la merde, tu vas te soigner. Hop. Tu vas soigner la Miland. On va partager un petit peu équitablement. Voilà.
Donc à droite il n'y a rien et par là il y a quelque chose. Donc on va d'abord aller à droite. Ah. Une porte. Une porte qui mène à rien. C'est un piège. It's a trap. Ah, des flamerolles. Y'a pas un truc qui balaye tout le monde? Je reviens tout de suite, je vais chercher mon plaid. Monte d'un niveau de tension pour les OS. Ah. Attends. Faire ça. Et eux, ils vont finir celui-là. Trop malin, Youngus. Oh, du coup, ils s'attaquent au... qui avait jamais eu de problème. Ah, et bien vu. Je pensais pas que un niveau de tension montait autant les dégâts. Ouh, le critique. Le petit critique qui fait plaisir. On dirait Lara Croft. Tout droit. Très bien. C'est assez simple. Sur ce genre de monstre, c'est hyper efficace. Ok, d'accord. Je savais pas. Je t'avoue que l'attention, moi je l'ai toujours utilisé que pour les boss. J'ai jamais trop fait attention au reste. Bon, par là, il y a un chemin, mais d'après la carte, il n'y a rien. Et généralement, il y a vraiment rien. Donc, on dirait vraiment Lara Croft. Non. Yeah. Moi je l'utilisais avec le tambourin, c'est comme ça que j'ai découvert faiblesse. Le tambourin. Quel tambourin? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah si, le tambourin, c'est pas le truc qui augmente la tension de tout le monde, ça. Bon là normalement si je fais ça, il va mourir au premier tour. Non, l'esquive. Allez, donnez tout. Ok. Là, je me souviens bien des trucs. Youngus, tu vas utiliser ta tension. Elan, tu vas finir lui comme... voilà. Non!
la tristesse. Angustiva, nous on se défend tranquillement. Et boum! Headshot! Motherfucker! Eh ben la route est pas très. Pas très facile, hein. Quatre armures! Ok, salut! Des bisous! On va juste se soigner encore un petit peu, hein. Une fois n'est pas coutume. Lol, nope. Beaucoup trop d'ennemis. Pas intéressant. Ah! Il y a ce qu'on pourrait appeler une énigme. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais je me dis ça, ça doit être bien là. Aïe! Ok, c'est pas la bonne dalle. Ah, regarde le plafond, bien vu. Ah, y a rien au niveau du plafond. Ah non, si c'est comme ça qu'on fait. Hop là, voilà. Ok, faut que j'aille là-bas. Et je suppose que ça, il faut le mettre au même endroit. Non. Un peu con, en plus. Ça, on va le mettre là. Ça là-bas. C'est vrai qu'en fait là il y avait une genre de plaque et je l'ai pas lu. J'avais l'impression que c'était une porte en fait de loin. Allez! Voilà. C'est bien ça. Merci, merci du tips, Puff Niros. Là, je sens que ça va puer. Il y aura du boss quelque part. Là, je la soigne, mais c'est plus pour la forme. Forcément. Alors. Alors là, je suis gêné parce que j'ai besoin des soins de Lund et Angelo. Je vais pas faire de tension. À la limite, je vais faire ça. Angelo, comme c'est une crêpe.
Peut-être la lame de feu, je sais pas. Et Jessica. Ça marche l'altération sur les ennemis, je crois. Ok, il est pas affecté. Youngus il va continuer sa tension. Lund il va encore se protéger. Angelo va se protéger aussi. On va faire un sort de glace. Donc il utilise des sorts de glace, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Pas vraiment un génie sur ce coup là. Ouais, ça passe sur certains. Ok. Hop. Ici on va sortir un premier soin sur Jessica. Et Angelo aussi va se soigner. Et Jessica va faire... Allez, la dague toxique. Génial. 8 points de dégâts. C'est trop bien. Non, mais non. À la baise. À la baise, la baise, la baise, la baise. Bon, tu vas faire ton premier soin sur Jessica, toi. Ah, c'est bien que ça réveille Youngus. Ah, et Lund aussi se réveille. On pourra soigner Youngus. Parce que là, c'est pas Jojo. J'ai qu'un sort de soin. Et elle, elle doit. Non, non, confusion. Oh, ça va. Allez, Youngus, là, il va être à fond. Putain, non, ça a repris à zéro. Ah, le bâtard de... monstre. Oui, bah, j'avais pas mieux comme insulte. Elle, elle se réveille, ça, c'est cool. Mais en attendant, il DPS un petit peu. Ça va. Allez. Faut juste tenir deux tours avec Youngus. Angelo, du coup, il peut faire un soin partiel sur Youngus. Et Jessica... Alors, c'est un sort de flamme. Apparemment, le feu, ça a l'air de le faire mal. Et encore... Non! Ah, mais c'est relou! C'est reloulou! C'est reloulou! Super glace. Bon bah je vais pas monter trop la tension hein, du coup j'ai pas le choix. Et je sais pourquoi j'aimais bien le jeu. C'était les combats. Les combats de boss. Ils sont vraiment cool quand même. T'as pas stimulation avec Angelo? Non. Non, sinon j'aurais fait, mais... Je n'ai pas. Bon, allez, hop. Tension, tension. Angelo. C'est son dernier soin, Angelo. Et Jessica. Bang, à la limite. Oh, mais c'est nul! Si, je viens de le voir. Ah bon? Ah, j'ai... Je pensais qu'il fallait augmenter charisme pour ça. Ah oui, exact.
Ah mais j'ai plus de... J'ai plus de mana. Dommage. Donc oui, je l'ai, mais... Je ne peux pas le lancer. J'étais persuadé que je l'avais pas. Je pensais vraiment qu'il fallait augmenter... comment ça s'appelle? Le truc charisme ou je sais pas quoi. Allez. Les deux ils sont à 20 là. Je peux même le faire avec un petit... Avec un petit brise-casque. Angelo il est un peu en PLS du coup on va faire quoi avec Angelo? Bon, on va lui faire une petite tension. Et elle aussi. Là ça va pas tuer Angelo. Mais il est en sale état. C'est pas ouf hein. Brise-casque, ça descend la défense, c'est le mieux à faire. Ouais. Bon, des fois ça descend la défense. Des fois ça descend la défense. Pas tout le temps. Elle peut encore faire un... Angelo, je l'ai fait attaquer tout de suite parce que vu sa vie, vaut mieux attaquer direct. Pas beaucoup. Ça fait mal ça. Alors Yangus va continuer à faire tension. Lund va se soigner. Angelo va taper. De toute façon il est destiné à mourir. À la limite, allez. Il va se mettre une arme médicinale, mais sinon... Et elle, je l'ai fait taper. Hein. Ah mais non, je l'avais pas fait taper. Donc là, Jessica, fou. Elle est chaud patate. Ça va. Il a pas lancé sur Jessica, sinon j'aurais ragé. Ah, Yangus, on va tenter quand même. Lund, on va s'amuser avec ça. On va voir ce que ça donne. Angelo, tu tapes. Jessica, tape. Ça va, pas sur Jessica. Là, Jessica, elle va faire mal pour une fois. Ça, c'est bien ça. Yangus il est à 50, ça c'est cool aussi. Et là on va voir. Je tente hein, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Ah c'est pas mal. Le hamster est quand même plus... Enfin le souffle du hamster est plus fort que la magie de Jessica. Ouais on va faire ça. Lui il va continuer de taper comme ça. Et elle va faire une petite tension. Suspense. Ça va. J'ai eu peur qu'il le fasse sur Yangus. Là Yangus il va piquer, attention. Ça va faire mal. Wouah. 160. Du coup Yangus, j'ai bien envie de tester ça. Lui il va continuer avec sa tension. Lui il va continuer de taper directement. Et elle va continuer avec sa tension. Ah. Ah mon anus. Ah ça fait mal. C'est un peu nul en fait.
Alors là, pour le coup, pour une fois, c'est Yongus qui va soigner Lund. Parce que là, c'est, on est dans un état critique. Ça, ok. Lui, il a plus rien, de toute façon. Il va juste taper. Et elle, elle est aussi en tension, donc elle peut rien faire d'autre. Faut juste espérer qu'il va faire un truc confusion. Ou attaquer Angelo. Okay. Ça va permettre de tanker un petit peu, ça. L'attaque désespérée, elle l'a fait mal quand même. Ça peut faire des critiques. Ouais. Je vais essayer ça, tiens, pour voir si ça lui coupe son tour. Et Angelo, hop. Et Jessica. Jessica, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'elle est à fond aussi. Elle a commencé en même temps que Lund. Je sais pas. Et coup de l'assassin, je sais pas si ça fait des dégâts en plus. Parce que là, avec en plus la machin, là, comment ça s'appelle? La tension. J'attends de voir ce que tu vas dire, Fafniros, là-dessus. Je sais pas si ça fait des dégâts en plus. Sinon, je fais une attaque simple. Hein, mais... Étant donné que j'ai pas mal de PM. Suspense. Allez, Fafniros, tout le monde t'attend. Tout le monde est accroché à tes lèvres, à tes mots, à tes lettres, à tes touches de clavier. Non? Allez, 5 secondes. Non, pas vraiment de gueule. Ok. Donc ça vaut pas le coup. Je pense pas que ça va one shot un boss, hein. Peu d'espoir là-dessus. Torpeur. Parfait ça. Le décalage est long, ouais, j'ai vu ça. Pas grave. C'est pas mal ça en termes de dégâts. J'ai une arme médicinale encore. Angelo, j'en ai genre rien à claquer. Si, allez. On va le soigner. Il va taper et elle, elle va faire sa tension. Ça va, c'est cool. Au final, si je peux gagner avec tout le monde de vivant, ça m'arrangerait. Allez, c'est parti. Tension. Tension. Ouais, t'es reste comme ça. Et là, tension. Ah bah. Voilà. C'est le GG. Pouah, trop d'XP. Level 17. Avec Yongus. Allez, on continue de monter les haches. On s'en bat les couilles du reste. L'alarme de Vénus. Parfait, parfait, parfait. Alors, ça y est, hein, l'alarme de Vénus. Quelle beauté. Tu sais, chef, la dernière fois que j'ai essayé d'attraper cette pierre, c'était pour Ruby. On n'est plus que des rivaux maintenant. Mais il y a un temps où j'en pinçais drôlement pour Ruby. Ouais, l'XP d'un boss, c'est pas négligeable. Merci. À l'époque, ça n'était pas la vieille chouette qu'elle est devenue. Et j'étais encore tout jeune. Alors, je m'étais dit que je lui apporterais l'alarme de Vénus pour l'impressionner, tu vois. Et j'ai fini par être blessé et j'ai dû abandonner. N'empêche, j'aurais jamais cru que je finirais par l'obtenir comme ça. Je me demande comment ça aurait tourné si je l'avais rapporté à l'époque. Bref, juste de vieilles blessures quoi. Ça t'ennuie pas de garder ça pour toi, chef? J'aimerais pas trop que ça se sache. Pas de problème, Yongus. T'es mon bro. Evac. Il est trop bien ce sort quand même.